Vous vous demandez ce que je fais là? Alors que j'aurais dû rester là? J'aimais la Finlande. Ses paysages, ses traditions, et surtout ses Finlandais. Mais ça, c'était avant. Avant ça. C'est là que mon amoureux m'a pris pour un voleur. Bref, c'était la fin de ma vie de rêve. C'est fini. T'as largué le grand blond. Putain! Heureusement, il y a la famille. Qui t'ont affamé, les Suédois? Une mère aimante. T'as une mine affreuse. Un père conciliant. Ah non, lui, c'est mon oncle. Bien génie. Tu es juif, homosexuel, et tu parles finlandais. C'est plutôt un compliment, hein. Ah, bien sûr. Mon père est moins excessif. Moi, ça fait 20 ans que j'aime deux femmes. Heureusement, il y a ma sœur. Je vais être la première divorcée de la famille. D'habitude, elle est plus souriante, mais là... C'est ton connard de goy de mari qui l'emmerde, ton frangin se fera plaisir de lui arracher les couilles. La parfaite famille juive, en somme. Une famille idéale, si elle n'était pas ma famille. T'es revenu pour foutre la merde! Heureusement, il y a des amis. Oh, Maître Goldberg, qu'est-ce que vous faites là? Je suis prêt à donner beaucoup pour les gens que j'aime. Heureusement, il y a l'amour. Ah! Détends-toi un peu! Maître Goldberg va te donner la fessée que tu mérites. Qu'est-ce que tu fais là? Ma vie s'est transformée en une mauvaise blague juive. Je vais utiliser ma colère pour défoncer la gueule d'Hervé. On voulait juste se retrouver ensemble en famille, c'est tout. Je suis le rabbin Rosenberg et j'approuve ce message.